أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقاء جديد سنحاول إن شاء الله من خلاله أن ندعمكم ونعدكم للامتحان الجهوي ونرجو من الله أن تتوفقوا اليوم غادي نقف عند امتحانات جهوية عند علاقة مع لسان ديال الفصفاس. l'examen régional académie de Shauya, stade 2014. Le texte, alors bien sûr, nous sommes toujours dans le face à face où adna créant au antigone les deux protagonistes et le deux. انتاغونيست وهما الشخصيات المهمة في المسرحية وهما خصوم بيان سور في هاد لو فاس ا فاس الوغ بيان سور من بعد ما كرايون استنفد كاع لي زارغيومون ديالو ومن بعد ما بينات لي اونتيغون بانها مصيرة على المشروع ديالو على الدفن ديالها ديال الدفن ديال خوها بيان سور كرايون À Radavan Khososan, Lioulet Antigon, Tetrouut, ou bien sûr Tetsub, Crayon. Alors, Crayon lui broie le bras. Je n'y le bras, et ni Ça veut dire, là, c'est la violence physique. Al-Unf, Al-Jassadi. Je t'ordonne de te taire maintenant. Tu entends? Alors je t'ordonne à n'importe qui. Antigone, tu m'ordonnes cuisinier, bien sûr cuisinier n'a d'être servi crayon Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, l'antichambre Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, n'as-tu Antigone, j'ai je... « Eh bien, ouvre les portes, justement, ils vont m'entendre. » Dès que je crayon, je vais dire « Crayon qui essaie de lui fermer la bouche de force. » Donc, je vais dire « fuma »« Vas-tu te taire, enfin, bon Dieu ?»« Te taire » c'est « discuter » Je vais dire « discuter » ou «»« Vas-tu te taire, enfin, bon Dieu ?» Antigone, se ce débat. Je ne sais pas, je ne sais pas, Allons vite cuisinier, appelle tes gardes. La porte s'ouvre entre Ismène. Ismène dans un cri. Antigone, qu'est-ce que tu veux toi aussi Antigone pardon. Antigone tu, tu vois, je viens, j'ai du courage, j'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi Si vous la faites mourir, donc. Antigone ma. Crayon, euh, Ismaël ma crayon. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant. Pas toi. C'est moi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas mourir, venir mourir avec moi. Ce serait trop facile. Ismaël, je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Alors les jérémiades, déjà de il fallait y aller ce matin à quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends créant, elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres en, encore en m'écoutant Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes Allons cuisinier Allons créant Un peu de courage Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons cuisinier puisqu'il le faut. Crayon crie Garde Les gardes apparaissent aussi. Et on passe aux questions. De compréhension. Première question, recoupiez et compléter le tableau suivant. Bien sûr, le genre littéraire, c'est une pièce de théâtre, bien sûr, entre parenthèses, tragédie moderne. Euh, vous avez l'auteur, c'est bien sûr Jean Anouilh. Euh, le titre, c'est Antigone. Et bien sûr, le siècle, c'est le 20e siècle. Ça, vous le savez très, très bien. Alors, ce passage est la suite à ah, d'un dialogue entre Antigone et la nourrice sur la beauté de la nature, d'un dialogue entre Antigone et Ismène sur la mort, d'un dialogue entre Antigone et Créon sur la notion du bonheur, recouper la bonne réponse. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la dernière d'un dialogue entre Antigone et Crayon sur la notion du bonheur. Alors trois. Ismen entre en scène après avoir pris une décision. Laquelle? Donc, Ismène, Khdat, wa Ou a la décision? Alors, la décision, elle a décidé d'accompagner Antigone pour enterrer Polynice. Donc, je répète, elle a décidé d'accompagner Antigone pour enterrer Polynice. B. Euh, 4. Antigone est-elle convaincue par la décision d'Ismène? Est-ce que Antigone est convaincue par la décision d'Ismène? Relevez du texte ce qui justifie votre réponse. Alors, la réponse, bien sûr, c'est non. Elle n'est pas convaincue Laisse-moi maintenant avec tes Jérémiades. Ou ah non, pas maintenant, pas toi. Relevez deux didascalies qui montrent la violence physique de Crayon. Alors, bien sûr, Crayon a utilisé de la violence physique, mais aussi de la violence verbale. Allaf, dit, ou l'unf, elle la violence physique. Crayon lui broie le bras ou la deuxième qui essaie, Crayon qui essaie de lui fermer la bouche de force 6. Comment Antigone a-t-elle pu amener Crayon à être violent à son égard Bien sûr Antigone qui va Jalad Crayon et livre, bien sûr par des cris et des insultes d'être de tête à par des cris et des insultes. Alors, les insultes, West Ben bien le meilleur. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Quel est le registre ou bien la tonalité dominante dans cette réplique d'Ismaël? Bien sûr, c'est clair, c'est la tonalité tragique. Alors, là, je tiens le champ lexical de la mort. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Identifier la figure de style dans l'énoncé précédent. Quel en est l'effet recherché Bien sûr, là, c'est une métaphore. Donc, Antigone traite Créant de cuisinier. Pourquoi C'est pour provoquer sa colère et le pousser à appeler ses gars. Donc, c'est une métaphore. Alors, le but d'Antigone, c'est provoquer Créon les gardes, provoquer Créon et le mettre en colère pour le pousser à appeler ses gardes. 9 Créon lui broie le bras. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends Que nous apprend cet énoncé sur le personnage de Créon Bien sûr, Créon est un roi autoritaire, c'est un roi tyran, moustabide Créon est un roi Alors, 10, je te convaincrai, n'est-ce pas Je te convaincrai. C'est ce qu'a dit Ismène à Antigone dans la quatrième scène, Et dans la première entrevue entre les deux sœurs. Dit Ismène à Antigone à la page 31, a-t-elle fini par la convaincre, justifier votre réponse Absolument pas. Donc, Antigone, eh non. Alors, Ismène n'a pas réussi. Ismaël est sorti une deuxième fois pour enterrer son frère. Donc, la preuve, c'est que Ismène est sorti à midi, juste après la deuxième rencontre avec sa soeur. Alors, pour le sujet de la production écrite, regardez ce sujet. Euh, de nos jours, certains jeunes n'acceptent pas l'autorité parentale et se révoltent contre les ordres des grandes personnes. Trouvez-vous ce comportement normal et justifié. Rédigez un texte argumentatif où vous défendez votre point de vue par des arguments et des exemples inspirés de votre expérience personnelle ou de votre entourage. Voilà donc pour le premier euh, examen régional. On passe au deuxième examen. C'est l'examen régional de CASA 2013. Et voilà le texte. Alors, la porte s'ouvre entre Ismène. Là, nous sommes dans la scène 13. Ismène dans un cri. Antigone, qu'est-ce que tu veux toi aussi Antigone, pardon. Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi alors, non, il se met dans ma crayon et Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant, pas toi, c'est moi, c'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec. Avec moi, ce serait. Avec moi maintenant, ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller ce matin, à quatre pattes, dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles, pendant qu'ils étaient tout prêts. Alors, ils étaient ici, c'est les gars. Et te faire empoigner, empoigner et arrêter. Donc, comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, créance, Mathia, elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres en m'écoutant Qui sait, qu'est-ce qu est que tu attends pour me faire taire Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes Allons créant un peu de courage. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons cuisinier. Puisqu'il le faut. Crayon crie soudain. Garde les gardes apparaissent aussitôt. Emmenez-la, Antigone, dans un cri soulagé, enfin criant. Les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. Ismène sort en criant derrière elle. Antigone, Antigone. Et on passe aux questions de compréhension. Première question. Alors, selon vos connaissances de l'œuvre, complétez le tableau suivant que vous recoupiez sur votre copie d'examen. Alors, il y a un tableau, donc euh, comme d'habitude, il y a l'auteur de l'œuvre, c'est Jean Anoui. Vous avez le titre, c'est Antigone. Vous avez le genre de l'œuvre, je rappelle que genre de l'œuvre, genre littéraire, euh, genre, c'est pièce de théâtre, aide, entre parenthèses, tragédie moderne. Donc, la pièce théâtrale. Et euh, est-ce que la fin est heureuse ou bien malheureuse? Bien sûr, la fin est malheureuse. Nihaya, saouya. Alors, pour la question 2, avant cette scène, que demandait Créon à Antigone et que cherchait-il? Bien sûr, Créon demandait à Antigone de se taire six fois. Et la sixième fois, il a essayé de le faire avec ses mains. Il voulait la sauver. Euh, trois, euh, vous avez que de euh, relever dans la scène deux éléments qui montrent qu'il s'agit d'une tragédie. Alors, relevez dans le texte ce qui montre qu'il s'agit d'une tragédie. Alors, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ou le deuxième, c'est tu as choisi la vie et moi la mort. Donc, dans les deux énoncés, il y a la mort. Pourquoi Ismène demande-t-elle pardon à sa sœur? Qu'a-t-elle fait? Alors en vérité, Ismène demande à sa sœur pardon, car elle a essayé de l'empêcher de faire son devoir. Donc, on se rappelle très bien qu'il a essayé deux fois, par différents moyens, de la convaincre de ne pas le faire, de ne pas faire son devoir, donc c'est l'empêcher de le faire. Recoupez le tableau suivant et complétez-le avec les éléments qui définissent les rapports entre les personnages. Alors, Adna, les personnages. Oui, Adna, bien sûr. Alors, premièrement, Antigone contre Ismène. Getli ah non, pas maintenant, pas toi. Vous avez Antigone contre Créant. "À allons cuisiner, puisqu'il le faut. Euh, les deux sœurs contre Créon, a deux énoncés, Tu l'entends Créon, elle aussi. Ou là, si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Alors Créon contre Antigone, emmenez-la, disoi. Alors pour la question euh, six, quelle est la réplique qui, qui rappelle la loi de Créon citée dans la première scène, le prologue? Alors, on se rappelle très très bien que le prologue a dit Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Et donc, la, la phrase qui, la réplique qui rappelle cette loi, c'est Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Donc, pourquoi Créon doit faire mourir Antigone Parce qu'elle a enterré, elle a essayé d'enterrer son frère. Alors, quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette. Réplique, et qu'exprime-t-elle Tu as choisi la vie et moi la mort Bien sûr, c'est une antithèse. Elle exprime la différence, voire l'opposition entre les deux sœurs. Opposition de destin. Al-Qadha. Comment expliquez-vous que Crayon parle peu pendant cette scène et ses répliques sont courtes Alors, il est sûr et certain que dans la scène 13, Crayon ne parle pas. Il a dit juste garde et emmenez-la. C'est tout ce qu'il a dit. Pourquoi Parce qu'il n'a plus rien à dire. Il a tout dit. Créant a tout dit, donc il n'a plus rien à dire. Relevez quatre éléments appartenant au champ lexical, au champ de l'opposition et du refus. Vous avez un an, pas maintenant. Je ne veux pas rester sans toi. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Alors pour la question 10, donnez un titre à cette scène. Alors la victoire d'Antigone est claire et nette. Elle a eu ce qu'elle voulait. Enfin créant. Donc je crois qu'il n'y a pas mieux que ce titre, la victoire d'Antigone. Alors pour le sujet de la production écrite, regardez ce sujet. Alors dans cette tragédie, tous les pers protagonistes, personnages sont perdants. Montrez-le en pensant à la valeur de ce que chacun d'eux a perdu et a gagné. Donc, il y a des choses qu'ils ont gagnées, il y a des choses qu'ils ont perdues. Et on passe à l'examen régional de Rabat, Salé 2013. Voilà le texte, c'est toujours la scène 13. Alors, il se met dans un cri, Antigone, qu'est-ce que tu veux toi aussi Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas maintenant. Pas toi. C'est moi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile. Ismen, je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes Jérémiades. Il fallait y aller ce matin à quatre pattes dans la nuit. Il fallait gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout prêts et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Alors qu'un mauvais moment a passé. Allons cuisiner puisqu'il le faut. Crayon crie soudain. Garde. Les gardes apparaissent aussitôt. Emmenez-la. Alors Antigone dans un cri soulagé, enfin créant, les gardes se jettent sur elle et l'emmènent, Ismène sort en criant derrière elle. Antigone, Antigone. Et on passe aux questions de compréhension. Première question, vous avez, alors recopie et complète le tableau suivant. Donc il y a un tableau, ce tableau c'est alors, le nom de l'auteur, vous le connaissez très bien maintenant, c'est Jean anouilh Alors, vous avez le titre, c'est Antigone. Vous avez le genre littéraire, c'est une pièce de théâtre et c'est une tragédie moderne. Et enfin, vous avez l'année. Là, ce n'est pas clair. Est-ce qu'il s'agit de l'année d'écriture, l'année 2 Première représentation, bien l'année de publication, on va accepter la première, donc c'est l'année d'écriture, c'est 1942. Alors pour la question suivante, situe ce passage dans l'œuvre dont il est extrait, donc il s'agit d'une situation qui devient de plus en plus rare maintenant avec cette forme. Alors, malgré tous, pour la, pour frère, Now, malgré tous ses efforts pour convaincre Antigone de renoncer à l'enterrement de son frère, Créon n'a pas réussi à cause de la détermination de sa nièce. Malgré tous ses efforts pour convaincre Antigone de renoncer à l'enterrement de son frère, Créon n'a pas réussi à cause de la détermination de sa nièce. Pour la troisième question, relève dans le texte. La phrase qui montre clairement que les deux sœurs n'ont pas le même destin. Gwila, tu as choisi la vie et moi la mort. Alors, 4. D'après le texte, par quel mot de la liste suivante peux-tu remplacer le terme Jérémia Est-ce que c'est joie Est-ce que c'est encouragement, plaisir, plainte ou la satisfaction Je crois que le seul mot qui convient, c'est plainte. On peut dire aussi pleure. Alors, 5. Quel est l'effet de sens produit par la comparaison suivante Il fallait te faire empoigner par eux comme une voleuse. C'est Antigone qui parle. Et bien sûr, cette comparaison montre l'humiliation à laquelle Antigone était exposée pour enterrer son frère. Antigone évoque l'humiliation qu'elle a subie lors de son Arrestation. Pour la question 6, euh, d'après ta connaissance de l'œuvre, propose quatre adjectifs, deux pour Antigone et deux pour Ismaël, qui montrent la différence de caractère des deux sœurs. Alors pour Antigone, on peut dire têtue, Anida, courageuse, Choujaa, impulsive, difeaya. Alors pour Ismaël, elle est lâche, Yanechouefa, peureuse. Ou un pondéré et un raisonnable, ou frivole et un légère. La question 7. Que signifie le verbe terre dans la question suivante Alors, tu as terre, Qu'est-ce que tu attends pour me faire terre Alors, terre ici, c'est tuer, c'est mourir. Alors, question 8. La dernière didascalie du passage précise que les gardes se jettent sur Antigone et l'emmènent. D'après la fin de l'œuvre, Antigone sera libérée, A. Antigone sera emprisonnée, B. Antigone sera jetée dans un trou, C. Ou la Antigone sera laissée aux animaux, C, D. Et bien sûr, la bonne réponse, vous la connaissez très bien maintenant, c'est elle sera. Jeter dans, un trou. Jeter dans un trou. 9 Que penses-tu de la réaction d'Ismène face à sa sœur Réponds en justifiant ton point de vue, deux ou trois par deux ou trois phrases. Alors voilà une réponse possible. À mon avis, la réaction d'Ismène est très normale car sa peur ne l'a pas empêchée d'être solidaire avec Antigone et l'a laissé mourir. À ton avis, qui semble être le plus courageux dans ce passage Est-ce que c'est Crayon ou la Antigone Qui est le plus courageux dans ton point de vue en justifiant Alors là, c'est une réponse possible. Pour moi, Antigone semble la plus courageuse car elle n'a pas peur de la mort et il pousse Crayon à appeler ses Pour le sujet de production écrite, regardez, vous avez. Euh, euh, les œuvres au programme présentent trois exemples d'hommes. Un père affectueux, le condamné, un, éhnine, un père responsable, et un oncle autoritaire, créant. Partant de ces exemples, quel serait le bon père pour toi dans ton point de vue en le justifiant par des arguments variés et des exemples précis? Voilà. Et on passe. Ah! À... Alors tout de suite, puisque euh, tout de suite, ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Le cœur. C'est une enfant créant. Créant. Que veux-tu que je fasse pour elle La condamner à, moi, à, à vivre Aimant entre en criant, Père. Créant court à lui, l'embrasse. Tiens, go. Oublie-la, Aimant. Oublie-la, mon petit. Tu es fou père, lâche-moi. Créons le tien, plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimant. J'ai tout essayé, je te le jure. J elle ne t'aime pas. Elle a, elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Aimant crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Alors l'étreinte qu'on la prise. le shda. Mais Père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Alors, tu vois bien qu'il l'emmène. Il l'emmène, il, emmène. il, emmène. il emmène qui Antigone. Elle a parlé maintenant. Tout aime, est sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Aimant s'arrache de ses bras. Tâche-moi. Un silence. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils se regardent. Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer Le cœur essaie de trouver une solution. « Dire qu'elle est folle, l'enfermer. » Alors, « dire qu'elle est folle, l'enfermer »« En on Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Alors, nota bene, répondez aux questions en formulant des phrases complètes chaque fois que cela est possible. Et on passe pour les questions de contextualisation. Alors première question, recopiez et complétez le tableau suivant. Alors d'abord, vous avez le titre de l'œuvre, c'est Antigone. Vous avez l'auteur, c'est Jean Anouilh. Vous avez le genre de l'œuvre, c'est une pièce de théâtre, une tragédie moderne. Et vous avez le siècle, c'est le 20e siècle. On passe à la deuxième question. Si tu, si tu es le passage par rapport à ce qui précède, si tu es le passage par rapport à ce qui précède, alors ne pouvant convaincre Antigone, Créon est obligé d'appliquer la loi et de la faire tuer. Alors, pour les questions d'analyse, vous avez, dans ce passage, le cœur cherche auprès de Crayon. à ah, que cherche le cœur Est-ce qu'il cherche à condamner Antigone ou là à défendre Antigone ou là à emprisonner Antigone Bien sûr, la réponse elle est très claire. Le cœur défend Antigone. Donc, il défend Antigone. Alors, relevez dans la deuxième réplique de Créon un argument avancé pour condamner Antigone. Je crois que la deuxième réplique de Créon est pleine d'arguments. Adna, c'est elle qui voulait mourir. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Deux, deuxième argument. Antigone était faite pour être morte. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Cinq. D'après le cœur, quelle serait la solution la plus convenable pour sauver Antigone C'est, bien sûr, dire qu'elle est folle et l'enfermer. Pourquoi Créon se trouve-t-il incapable d'accepter la demande de son fils de gracier sauver Antigone Bien sûr, car tout aime sait ce qu'elle a fait. Il est obligé de la faire mourir car Antigone a parlé. Alors, cette, quelle figure de style reconnaissez-vous dans la phrase suivante Nous allons tous porter cette plaie pendant des siècles. Est-ce que c'est la métaphore Est-ce que c'est l'antithèse Est-ce que c'est l'euphémisme Alors, la plaie ici, Waljah al-Amir. Il y ni la mort d'Antigone, rat'con, la c'est la métaphore. Euh, pour la question B, quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure de style Pourquoi la métaphore C'est pour montrer la gravité de la décision des crayons qui engendrera des blessures inoubliables. Now, montrer la gravité de la décision des crayons des blessures inoubliables, des cicatrices, bien sûr. 8. La tonalité dominante dans cet extrait est-elle plutôt ou est pathétique, tragique ou la ironique Et bien sûr, la réponse est tonalité tragique, puisqu'il est question de, du destin tragique. Alors, justifiez votre réponse par deux mots tirés du texte, il y a beaucoup de mots, il y a de mourir, meurt, mort, Edna mort. Tout un champ lexical de la mort. Sur la question de la réaction personnelle face au texte, vous avez, à votre avis, l'attitude de Créant envers son fils est-elle acceptable? Justifiez votre point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Créant sur son attitude? Je crois que je suis tout à fait d'accord. À mon avis, L'attitude de créant envers son fils est acceptable en raison de la fonction qu'il occupe. Il est un homme d'État, il ne doit pas faire des faveurs à sa famille ou à ses amis. Et personne n'est au-dessus de la loi. Now, à mon avis, l'attitude de créant envers son fils est acceptable en raison de la fonction qu'il occupe. Il est un homme d'État, il ne doit pas faire de faveurs des faveurs à sa famille ou à ses amis. Sur la question 10. Pour sauver Antigone, avez-vous d'autres solutions à proposer à Créon, autres que celles données par le cœur? Justifiez votre opinion. Alors voilà ma proposition. Alors Créon aurait dû appliquer les circonstances atténuantes. Dans le Dit les circonstances atténuantes, mais il y a un chiffre le plus En expliquant à son peuple la nécessité de sauver Antigone, Kennelly a ouvert ces dialogues et a dit :« Ils ont dit :« Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à Antigone ?» Mais Antigone est malade, donc on ne peut pas le faire. Donc Créon aurait dû appliquer les circonstances atténuantes en expliquant à son peuple la nécessité de sauver Antigone. Tiens, la production écrite, juste pour avoir une idée regardez ce sujet, pour régler son problème avec Antigone, créant recours à la violence, l'Enf, donc la violence ou l'Enf, pensez-vous que l'usage de la force soit la bonne solution au problème de la vie quotidienne L'Enf ou Arsenwasi-la, Justifiez votre point de vue à l'aide d'arguments pertinents. Séance, voilà, séance terminée. ميرسي دو فوتغ اتونسيون رجاء باش تشجعونا ابوني فو حاولوا تنخاطو في القناة حاولوا تكلموا مع الاصدقاء ديالكم راه نحن نحب النجاح ونحب ان نكون سببا في نجاحكم ان شاء الله لهذا دعمونا فقط باش القناة توصل وماكسيموم ديلا بغيناها توصل لأكثر عدد ممكن ديال التلاميذ السنة الأولى ونعاونوهم وشكرا لكم وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله